Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour nos séances de variété 2009. Le foyer va vous présenter des sketchs, des danses et des vidéos. Veuillez s'il vous plaît éteindre vos portables pour éviter des interférences dans les baffes. Sur ce, bonne séance et bonne soirée. Ensemble, 5 euros.
plus 5 euros, plus 5 euros, le plateau 5 euros. Ceci, nous le ferons pour 5 euros de rapport, soit un total de 395 euros. Mais revenons-en, si vous voulez bien, à notre histoire extraordinaire. Jésus, seulement, il y avait un drame dans la vie de Jésus. Jésus portait un poids terrible. Jésus n'était pas un adolescent comme les autres adolescents de son âge. En effet, Jésus portait un poids terrible. Il multipliait les pains, ce qui énervait ce boulanger. Il changeait les lourds en pain, ce qui exaspérait son patron bistrot. Au regatta par là, il marchait sur l'eau, ce qui rendait hystérique le monde schématique de la vie derrière. Et pire que tout, il embrassait les peaux sans choper la chouille. Au grand désespoir de Roi Judas, pharmacien, dénateur de la grande rue piétonne de l'Éternel, il n'en pouvait plus, il était abonné, il ne vendait plus un médicament, il n'y avait plus personne. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a envoyé une lettre en ligne à poster. Alors, qu'est devenu Jésus à partir de ce moment-là? Vous le saurez en achetant ce livre, l'équipe mondiale 98 tours sur la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Et pour tout savoir sur la vie de Jésus et ses trucs, ce très très ouvrage de 75 recettes, l'encyclopédie bonne de la cuisine, très très bon livre avec 75 recettes. Et si vous nous appelez dans l'heure, chers amis de l'auteur, nous vous offrons également l'objet de moi, de Géoula, le Saint-Suaire. Donc regardez ce très très bel objet, très très beau Saint-Suaire que voici. Donc fabriqué à Germain, il y a 1000 ans, il n'a pas bougé, hein. Véritable la débauche. Et donc c'est grâce à cet objet qu'on sait que le Christ s'appelait Marcel. Donc voilà. Bon, avec ça, moi, je suis bien content, j'ai bien vendu, je me suis bien fait des sous, je vais pouvoir partir en vacances tranquille. À la poste, c'est la pause café. Tiens, salut Simon, des patates ? Non, c'est pas trop la fin. Non. Quoi ? Que va nous la faire, va aller étudier. Non, mais c'est bon, hein. Quoi ? Mais on va prendre les quoi ? Ah, si, je sais, pas aller étudier. Ah ouais. Dis donc, je te sens un petit peu vide en ce moment. Pourquoi tu veux voir ton bureau? Ouais, Marie, il va tourner. Ouais. Salut Simon. Ça va? Ça va. Ouais. Dis, tu connais Vincent pour les mots croisés? Non, je savais pas. Oui.
Merci. Tu as maintenant ton devoir. Oui. Valétudinaire à 12 ans. Autant pour expliquer tout. Allô, deuxième. C'est lui, ça va, la patate? Moi, ça va. Alors, qu'est-ce que tu cherches comme nom pour valétudinaire? Bon, enfin, c'est facile. Allez, cherche un synonyme. Aigre-autant. Ben voilà, il a trouvé. Aigre-autant. Allez, salut, je t'embrasse ton père. Oui. Tu manges pas ta jambe pour ce soir. Oh. Eh ben, on dirait que j'ai oublié les têtes, Lucas. Les chiens font pas des chars. Tiens, je vais les apporter avec toi maintenant. Bonne journée. À vous. Ça, bonne journée, je l'ai. Hein. Alors, les autres mots, et vos chiens. On va déjà aller faire un tour, parce que là, c'est bon, hein. Oh,
for you. You're just one of my companions. I guess when you have one too many, makes it hard. It could be easy who you are. That's just who you are, baby. Lollipop. That's the mistake we always suck at. To think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way I'm never gonna fall for you. Never you. Elle est morte.
Ah, mais tant mieux. Quand tu es malade, elle était le rôle de tout le monde. Moi, je crois que c'est le gars qui a lâché. Ah, c'est vrai que vous avez aussi. Oui, 6 ans. 6 fois la première année. Ah, vous savez, les bases sont. Ils sont plus aidés à terre, ils sont dans le métier. Eh, vous pouvez me changer de nom, là, ça demandera de le faire en accueil. Je vais en accueil, Rosa. Quand l'autre, il y a deux ans, là, c'est. Et on en terre? Oui, je prends, on va les laisser comme ça, hein. Non, je veux dire, est-ce qu'on en terre? Où est-ce? Ah, jeudi, à 15h, à Millau, dans la Déronde. Ah, elle a rafraîchi tout le monde jusqu'au bout, celle-là, hein. Vous avez vu comment ça tourne pour aller jusqu'à Millau? Là, vous y pensez, j'en ai la gerbe. Vous avez été en parlant? La gerbe, vous êtes en acheter une? Elle a usé, on travaillait 29
télévision, les entreprises ne savent plus quoi faire de leurs spots publicitaires. Aussi, vu la gloire et la réputation des séances de Saint-Hilaire, les entreprises sont sautées sur l'occasion de faire apparaître leur promotion sur nos écrans. Voici donc un petit reportage suivi d'un court instant de publicité. Merci de votre compréhension. Aujourd'hui, il existe des dizaines de métiers rattachés à la publicité. Il en est un chaque jour. Aujourd'hui, je vous propose d'en découvrir un avec le plus beau de ses représentants. Il s'appelle Boris Morin. Boris a 21 ans. Il travaille dans la société Crilapub. Bonjour Boris, regardez. Bonjour Boris, comment avez-vous débuté dans ce métier? Bonjour Boris, comment avez-vous débuté dans ce métier? J'ai commencé en bas de l'échelon, sur les routes à 4 grammes. Excusez-moi. Choisissez bien. Vous travaillez pour qui aujourd'hui? Pour Seb, Citroën et Banania. Mais je galère un peu avec Citroën. Ah oui, pourquoi? Vous allez voir, hein. Vous n'imaginez pas que Citroën est merde. Vous n'imaginez pas que Citroën est merde. Oui, j'aimerais bien la crier cette pub. Mais je peux pas, ils font des voitures de plus en plus rapides et des slogans de plus en plus longs. Et votre salaire, vous avez vu? Vous avez un salaire fixe? C'est 2 euros par voiture. Excusez-moi. Vous voyez là? Je me balade. C'est facile. C'est une 106 Kid. Peugeot. C'est quoi pour vous, Boris, des bonnes conditions de travail? Pour moi, les bonnes conditions de travail, c'est les vacances et les bouchons. Attendez, excusez-moi. Seb, c'est bien. Vous voyez, avec Seb, c'est pratique. Je peux le dire deux fois. Est-ce qu'il y a des risques dans votre métier, Boris? Ah oui, la dernière, on a eu 2-3 collègues qui sont faits. Excusez-moi. C'est bien. Oui, la dernière, on a eu 3 collègues qui se sont fait décapiter avec des rétroviseurs de caravane. Attendez, oh! Un BSBR! Un blocus au bord de la route! Regardez, là! Oui! Venez! Vous voyez, là, j'ai largement le temps de placer toutes mes pubs. Seb, c'est bien! Je peux aussi placer, choisir ses buts! Et enfin, pour finir, vous imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Je me lance. Qu'est-ce que tu dis? Je me lance, je te dis. Hey, Manhattan. Oh non, pas encore. Hey, c'est le jeu, mon pauvre Osama. Al-Qaïda, à qui la tour? Slimfast, vous connaissez? Regardez cette photo. C'est une photo de moi avant. J'ai pas maigri. C'est normal. J'en bouffe 3 à 4 fois par jour. C'est que c'est bon, ces saloperies. Et du coup, je grossis 3 à 4 fois plus. Vous voyez cette photo? C'est une photo de moi hier. J'ai pas changé? En même temps, c'était hier. Vous voyez cette photo? C'est pas moi. Salut! Salut, Mich! Ça va? Ça va? T'as fait la fête hier soir? Ah ouais, carrément, c'était excellent. Et t'as vomi? Bah non, pourquoi faire? Mais t'as pas fait la fête alors? Bah si, j'ai fait la fête, mais j'ai pas vomi. Mais t'as pas fait la fête? Et j'ai pas vomi. Ah ouais, d'accord. Le vomi de cuite, c'est pas automatique. Okay, ça va? Ouais, bon, je faisais rien. Ouais, moi aussi. T'as fait avant hier soir? Ouais, c'était énorme. Ouais, c'était physique. Ça va? Ouais. T'as vomi? Bah ouais. Moi aussi, toi aussi. Non. En fait, le vomi de cuite, c'est automatique. Slipfast, vous connaissez? C'est du slip en poudre. Vous ajoutez du lait. Et hop, ça fait un slip. Slipfast existe aussi au chocolat. Dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Come on.
Connaissez-vous le nom du journal qui est publié toutes les semaines dans le désert? Non? L'hebdomadaire. Je n'avais pas fait.
prends que les boissons dans notre car. Je l'avais pas. En même temps, je pourrais être sympa d'être complète. Parce que les filles, quand elles sont complètes, elles rigolent beaucoup. Et toujours un petit rire distrait. Jamais un rire dégueulasse. Voilà, on fait ça. Toujours un petit rire fort. D'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a aucun son qui sort de leur bouche quand elles rigolent. Mais je pense que c'est technique, hein. Elles font exprès. Parce que comme ça, si elles rient à un mauvais moment, si elles se trompent, si elles ne parlent pas, bah elles peuvent toujours faire passer ça pour autre chose. Oh, puis alors le truc qui est terrible, bah, c'est que les filles dans l'amour, elles ont trouvé le truc pour séduire les hommes, quoi. C'est le sevrage de cheveux. Alors je ne sais pas si vous connaissez, comme dans la petite 10, je pense que quand elles regardent la télé, elles se disent « Faut que je fasse tout bien comme à la télé si je veux que le shampoing fasse bien les fesses, que les fesses de fruits descendent bien jusqu'au coin comme ça. Sinon, ça marche pas. » Oh ben, moi, ça m'énerve que j'essaye. Comme ça, ben, c'est nul, on n'y arrive pas. Sinon, ça n'a pas d'impact. Bourré comme ça avec une vodka, avec les mecs, c'est zéro, quoi. Oh non, ça marche pas. J'exagère si ça peut marcher. Demandez Séverine à l'entracte. Thank you.
Oui, j'ai pas de séquelles. Non, pratiquement pas. Hein. Alors, j'ai en fait que tu as défini au triphasé.
Mais je suis content, oui. Moi aussi, je suis très content, hein. Je sais faire le loup. C'est le loup de la centrale nucléaire. Oui, c'est très bien. Alors, Jean-Paul. Non, pratiquement pas, hein. Je paye pas le DF. Mais c'est le loup, oui, c'est le loup, oui. Et ça, c'est quoi, ça? Je sais pas, non. Ça, c'est le renard, ça. Les oreilles. Et puis ça, qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas, non. Ça, c'est le relou, là. Mais ça existe pas, le relou. Oui, ça existe. Non, ça existe pas. Si, ça existe, si. Le renard qui se font prendre par les loups. Oui, merci. Alors maintenant qu'on a visité le zoo de Golfech, Jean-Paul. Mais ça! Toi, tu trouves ça, ça? Je sais pas, Jean-Paul. C'est la marmotte, ou? C'est la marmotte. C'est la marmotte, hein? Mais. Il y a le remote. Il y a le remote, il y a le remote de bête. Chut! Écoute-la, écoute-la. Alors pendant qu'elle écoute, on va t'écouter. Et ça! Ouais, qu'est-ce que c'est, ça? C'est ça, je sais pas. Un chinois qui tombe! Un chinois qui tombe! Je me suis fait le thème.
j'ai devenu une belette tombe, mais pour tirer des belettes tombe, mais pour tirer des belettes. Je vais devenir une... Non, pas celui-là. Et à la rentrée, je fasse Molotov, un grand classique et pas Molotov. C'est un fou moi le de l'autre côté, fais-moi une charge de j'ai devenu une belette tombe, prêt pour tirer des belettes tombe, prêt pour tirer des belettes. Et j'ai devenu une célébrité, au grand journal du Pédard m'a invité, je pourrais dire des conneries sur l'actualité, en même temps sur le velours, moi le vois pétard. J'ai devenu une belette tombe, prêt pour tirer des belettes tombe, prêt pour tirer des belettes. Dans les maisons de retraite, nos personnes n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Par conséquent, rendons visite à notre bon vieux Papy Petou. Combien qu'il te faut de ton aide? 20 000 euros? C'est pour pas faire.
pour acheter un vélo pour la petite. C'est ce que tu m'as demandé la semaine dernière pour acheter une voiture. Eh, il faut l'avoir, à quoi se faire avoir les enfants. Hein, les filous sur cette terre. Ah, mais là, ça recommence maintenant. Mais, là, j'ai un double appel. Non, monsieur, c'est pour moi qui commence une 4 saisons pour Margarita. Non, monsieur, c'est pour une mère de jeunesse, c'est tout le contraire. On se fout de ta gueule. Dis donc, je t'ai foutu une béquille, moi, t'as marre, je me fous de ta gueule. Hein? Non, mais notamment, je vais les mettre, moi, les yeux du noir, piton. Ah, raccrocher. Vous tout bousillez, vous bousillez mon portefeuille, c'est pour là. Ami, Janine, François, a passé chez Dati, qui se sont gentils d'acheter un climatiseur cette fois-ci. Parce qu'elle se manait, elle se dormir dans le congélateur, hein, et c'est petit de là. Mahama, Janine, Mahama, attendez pas, mais tout. Bouvier-le-Duc, directeur de la clinique de la Forêt-Blanche, et Jean-Marc, le jeune interne qui depuis quelques mois entretient une liaison avec Catherine, l'infirmière qui, elle, aime toujours en secret le professeur Bouvier-le-Duc. Jean-Marc laisse exposer sa jalousie lorsqu'il apprend que Catherine avait offert des fleurs pour saluer le troisième divorce du professeur. Pourtant, tout semble se dissiper
lorsqu'ils fêtent ensemble la première opération de l'appendicite réussie avec succès par le professeur et toute son équipe. Vous savez, Catherine, depuis que ma femme m'a quitté, je ne suis plus le même homme. Quelque chose s'est brisé en moi, comme une désillusion, un désenchantement. Cela dit, ma vie aujourd'hui ressemble à un désert de sable, où chaque dune ressemble à une autre dune. Et dans ce désert, je cherche désespérément l'oasis qui pourra m'apporter ce réconfort. Peut-être une femme, qui sait. Et vous savez, Catherine, les oasis apparaissent souvent comme des mirages. Et je le sais. Heureusement, il me reste la clinique. C'est ma famille, ma vocation, mon port d'attache. Vous savez, Catherine, je noie mon chagrin dans le travail. C'est devenu ma raison d'être, ma bouée. C'est devenu ma raison d'être, ma bouée de sauvetage. J'ai enfin compris que l'amour ne serait pas au rendez-vous. Et puis, il y a mon travail. N'y a-t-il rien de plus beau au monde que de sauver des vies humaines? Non, mais je pense que c'est ma vocation, c'est vrai. Quel beau métier. Vous ne trouvez pas? Vous m'aviez fait demander, monsieur Bouvier-le-Duc. Oui, vous tombez bien, Jean-Marc. Alors dans mon bureau, je serai plus tranquille. D'accord. À plus tard, Catherine. Venez dans mon bureau. Venez dans mon bureau, nous serons plus tranquilles. Vous savez, Jean-Marc, je vais essayer d'être franc et direct avec vous. Vous savez, une clinique, ce sont beaucoup de responsabilités. Et aussi, parfois, des décisions à prendre à contre-cœur. Je vous fais confiance, docteur Bouvier-le-Duc. C'est quand même grâce à vous que je suis entré dans cette clinique. Vous savez, Jean-Marc, une clinique, c'est avant tout des responsabilités. Et parfois même des décisions à prendre à contre-cœur. Je vous fais confiance, docteur Bouvier-le-Duc. C'est quand même grâce à vous que je suis entré dans cette clinique. Vous savez, Jean-Marc, une clinique, c'est avant tout des... Justement, Jean-Marc, j'ai agi à la légère et vous n'avez pas mérité ma confiance. Mais, docteur, je... Laissez-moi parler. Aujourd'hui, j'ai pris une décision grave. Quoi? À l'hôpital Velpeau? J'ai décidé de vous muter à l'hôpital Velpeau. Quoi? À l'hôpital Velpeau? Vous avez bien entendu. Mais qu'ai-je donc fait donc? Une erreur professionnelle, ça vous suffira? Une erreur professionnelle? Je ne comprends pas. Madame Lorigan n'aurait dû recevoir que des médicaments à base de paracétamol et non d'acide acétyl salicylique, qui est rigoureusement contre-indiqué comme tout médecin sait. C'est injuste, on ne m'avait pas prévenu. Vous pensez bien que si on me l'avait dit, je ne lui aurais pas prescrit de ce médicament. Une faute est une faute, et je ne puis l'admettre. Vous pouvez y aller. Le prétexte est facile. Je vois que vous n'avez toujours pas supporté ma liaison avec Suzanne, mais je... Ne m'interrompez pas. Je suis le directeur de cette clinique, ne l'oubliez pas. Vous pouvez y aller. C'est trop injuste. Sortez! J'ai été dur, mais c'est pour toi que j'ai fait. Ah, Catherine, j'ai dû prendre une décision grave. À l'hôpital Velpeau? J'ai dû muter Jean-Marc à l'hôpital Velpeau. À l'hôpital Velpeau? Oui. Et tout ça à cause d'une histoire d'acide acétyla.
Ben, je meuble. Bip, bip. À ce moment précis, suivons les péripéties de notre ami Gentil. Et en plus, sérieux. Enfin, non, la découpette plutôt, je l'ai mis sur tous les murs, hein. Oui,
pas renforcé que la briquette, c'est l'isolation phonique dans les cartes de vue profilées tête plus 1. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux, monsieur Gentil, faites-moi confiance. Donc pour le tout, monsieur Gentil, vous me devez 60 000 francs. Pardon, ancien ? Ah non, là c'est nouveau, monsieur Gentil, pourquoi ? Oui, monsieur Gentil, je suis au courant, il y a assez de vous pour un peu. Oui, c'est votre architecte qui me prend pour celle. Oui, j'ai lu ça. Mais... je vous en fais de monsieur Gentil, ça dans la poche, hein, essayez. Je vais vous dire ça rapidement. Alors, vu les préjudices qui perdent un petit dernier roi illégal avant la 80 km complètement proposé de demander sous la suspicion de la pièce des trois habits, bon, parce que là, j'ai peur, hein. Vous comprenez pas ? C'est pas grave, hein, je poursuis, monsieur Gentil, c'est dans la poche, vous inquiétez pas. D'acquitter à compter du jour, moi je ne me sentais pas des gens dans les temps à faire des unités de casse-marais, mon problématique, ainsi que l'air en jour, ça ne me paraît évident. Vous comprenez pas? C'est dans la poche, monsieur Antti, vous n'en faites pas. Et enfin, en vertu des programmes de modification des affaires à partir de la connasse, mes problèmes professionnels, pour le conseil à l'invité, oui, ça c'est dans la poche. C'est dans la poche, monsieur Antti. Oui, non, c'est pas grave. Hein. Et enfin, pour finir, nous prendrons la butée des choses en compensation de la sur la fête. Ah, bon. Alors là, c'est important que vous compreniez, monsieur. Toi, et voir moi, 4 250 euros. Je ne vois pas, monsieur Lanty. C'est normal, monsieur Lanty, les avocats, c'est le CNN. Pour rien de ce qui est en cours du mot de ça les arrange. Enfin, ne vous inquiétez pas, de mon côté, tout va bien, je fais un exemple. Et juste un jeu. Vu que l'on termine de procéder sur la façon de puissance du pas, je vais prendre vraiment que je vais dîner, hein. Vous pouvez pas y penser tout ça, hein. Bon. Oui, vu que la conduisère d'Andrée est éduquée, que la courage de passer dans le monde, alors que toi, elle est dégueulasse, hein. Non, ça veut lui faire quoi, ça veut lui faire. C'est un grand mal. 70 balles de bricole, hein, ou plus, hein. Pour nous, vous faites tout à 100 balles, ça fait des fois, hein. Plus la main-d'œuvre, 2600 euros. Mais non, monsieur Antti, ne t'inquiète pas, rien de grave, monsieur Antti, ne t'inquiète pas, rien de grave, rien de grave. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Antti, rien de grave, ne t'inquiète pas, rien de grave. Vous êtes juste une simple petite pile électrique, hein. Vous m'entendez ? Non, non. Juste un dysfonctionnement civil à l'intérieur par optique qui provoque une légère éco-sensibilisation à l'égard des 15 kilomètres, hein. Non, mais non, vous n'avez aucun mot de tête. Ah, si. Allez, bon, je vais quand même vous préciser déjà que l'économie, hein, comme nous allons faire le syndrome populaire des labels de sexe du portail tabial, bon, je suis pas convaincue. Bon, voilà, monsieur Gentil, vous voulez la douche? Non, rien de grave, hein. Voilà, monsieur Gentil, faites-moi confiance. Nous en verrez tous. Et si nous sommes tous autour de toi ce soir, André Gentil, accompagné de ta femme, tes proches, tes amis, ton avocat, ton banquier, ton architecte, c'est pour te dire la sainte et claire parole de Dieu. Cette parole qui faisait dire à Saint Benoît de l'apostolat que toute la jubilation du magnifique annonciateur de notre attention est à l'immaculée des récords, que l'allégresse du Saint-Sépulcre est au jugement de nos béatitudes. Plus clairement pour tout le monde, c'est Agas Corpus des coquilles et filles futures et clergitures. Amen. Tel que l'aurait souhaité André Gentil, bien entendu, nous allons procéder à une quête pour la paroisse. Des sous, s'il vous plaît, des sous pour la paroisse. Bon matin, mon amour, la Saint-Valentin, avec toi, c'est tous les jours.
gentlemen. Alors j'ai emmené ma copine dans un endroit très tragique. Ce genre de resto où tu vas jamais. Et où tu vas tellement jamais d'ailleurs que quand tu vas t'as un peu de trac. Hein, et que déjà quand on prend chapeau, j'avais l'impression sur les épaules. Oui monsieur, je préfère l'expression en cerveau que nouveau riche. Pourquoi on dirait d'une personne qui commence à gagner de l'argent que c'est un nouveau riche? Ceux qui commencent à en faire, on ne dit pas que c'est des nouveaux pauvres. Oui, bon, je sais, mais en France, il faut parler d'argent. Ah, surtout, tu parles pas d'argent, c'est terrible. Et si, justement, il faut en parler? C'est au cœur des débats sociaux, politiques et actuels. Le riche et le pauvre, bon, ils sont différents, pas parce qu'il y en a un qui gagne plus d'argent que l'autre. Non, c'est bon, c'est plus une question d'ambiance, quoi. Oui, parce que vous voyez, le fils du riche, lui, aura entendu des phrases que le fils du pauvre n'aura pas forcément entendues. Eh oui, le fils du riche, lui, il aura entendu des phrases du genre « Dis donc, Pichoum, c'est bien une petite glace chocolat, vanille, pistache, melon, à travers cuir, tout à fait. Ok, c'est bon, je t'amène ça. Eh oui, tandis que le fils du pauvre, lui, bon ben, le fils du pauvre, lui, forcément, il aura entendu plutôt des phrases du genre « Tu veux une glace? Ouais. Eh bien, moi aussi. » Enfin bon. Bref, on arrive devant le restaurant. Et alors voilà, c'est tellement chic, c'est tellement classe, que personne ne parle. Tu connais un peu ce genre d'endroit, hein? À mon avis, c'est surtout tellement cher que les gens, ils sont bloqués. Y a pas table en 5, tu connais la dernière, la rigolade, tout ça, rien. Même les rires, là-dedans, ils sont bloqués à 130 euros, tu vois. C'est tellement chic, c'est tellement classe, c'est tellement élégant qu'au fond de la salle, il y a une table qui fout de la harpe, tout ça. Tu fais voir, ouais, c'est normal, je connais, y'a pas de soucis. Ouais, arrête tes gueules, y'a un côté au bistrot de Saint-Hilaire, y'avait pas un gars qui t'appelait là. Comme ça, hein. Enfin bon, on arrive devant le restaurant, ce soir. Et je sais pas si vous connaissez ce genre de moi, mais quand t'arrives pour t'asseoir, y'a un mec qui te tire la chaise, tu sais. Ouais. Alors, non seulement il te tire la chaise, le mec, mais en plus il te la repositionne. Comme si le mec il voulait coïncider exactement entre le moment où tu commences à fléchir les genoux et l'atterrissage et oh attends, tu vois que tu veux pour fléchir pour maçon ou quoi? Alors ouais, c'est le genre de mec et ça m'énerve tellement, je me mets dedans comme ça, puis j'ai des petites fins d'avant de ma sortie, je hop, allez. Alors le gars il veut juste se lâcher, il a le coup de putain, il faut s'y bien s'asseoir. Bon mais attends, laisse-moi tranquille. Alors bon, on finit par s'asseoir quand même, au moment. Et alors là, devant moi, trois assiettes, 8 couteaux, 7 fourchettes, 9 verres. J'appelle le serveur, je lui fais oh, on est que deux, hein? Bon. Donc il nous apporte le menu. Et alors sur le menu que t'as, toi, du coup, du monsieur, dans cette histoire-là, il y a le prix. Hein. Et sur le menu de madame, il n'y a pas le prix. Pourquoi ils font ça? Ils ont peur qu'elles aient peur ou. Enfin bon, je sais pas, bref. En tout cas, ce que je sais, c'est que toi, t'as les prix. Alors elle est en face. Il t'attend. Tu sais pas sur quoi ça va tomber. Ah. Et là, t'as beau être le plus grand jeune domaine du monde, dès qu'il y a ta mention dans un plat, tu fais un petit gauche-droite sur la carte, là. Ça, c'est important. Et alors, le moment que je préfère dans ces restaurants, c'est quand le serveur vient t'annoncer ce que tu vas dîner le soir. Alors là, tu te crois dans une vraie scène de théâtre. Ah, ok, il est arrivé comme ça pour survivre. Bonne motion. Oui, de toile. Un triple tapeau arrière de pamplemousse pour son fruit de fruits en table de boucard, accompagné de ses boulettes et arbalètes en ananas et catamarans de coin. Délicatement disposé sur sa fine trousse de pâte, ni cuite, ni pute, ni soumise. Et alors après, le meilleur, c'est que le gars qui t'apporte la boue, c'est sous les coches, tu sais. Genre, c'est chic, c'est sous les coches. Mais attends, c'est quoi le délire? C'est un jeu, il faut deviner, c'est pourquoi tu caches la boue? Alors moi, je te dis tout de suite, hein, si un jeu, il est mignon ton jeu, parce que c'est moi qui ai commandé. C'est ce qu'est-ce que la cloche, hein. Alors, tu vas me demander de deviner, moi je vais te dire. Pamplemousse. Ah ben oui, pamplemousse, hein. Attends, réfléchis un petit peu. Alors, les gars, ils sont contents, ils t'apportent ça, des vrais spécialistes, un peu des clochards, hein. Ils t'enlèvent ça tous en même temps, une vraie chorégraphie, Camelot lit la cloche. Et alors là, tu découvres une crevette. Comme ça, la crevette petite et toute seule, surtout la crevette, hein. Alors toi, déjà, j'ai dit, c'est pas possible, t'es quand même pas venu toute seule, t'as mis des copines, t'sais. Même la crevette, elle nous a regardé, elle a fait, non mais moi aussi, c'est abusé, toi. En gros, c'est comme ça, c'est un restaurant, il faut s'y faire. À la fin du repas, le serveur osait revenir nous voir pour nous demander un petit digestif, peut-être, hein. Non, mais attends, mon pote, on n'a rien bouffé, avec tes conneries, qu'est-ce que tu fais de chez les idées? Il nous a apporté la note, j'ai regardé, je fais, putain,
Merde. Je savais pas qu'il fallait demander un devis. Lying naked on the floor.
illusion of a change into something real. While wicked, I can see the perfect sky is so. You're a lady, I'm a rabbit toad. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just her there, and not some holy light. But you're crumbling in my veins now. I don't care, I have no life. I don't miss you that much. There's just so many things that I catch and turn. I'm a little face. This is how I feel. I go and I am changed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. While awakened, I can see the perfect sky is so. You're a little late, I'm a rabbit toad. There's nothing well, it used to lie. A compensation has run dry. That was so long. Nothing's lying down. I'm a lot of things. This is how I feel. Go and I am changed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. While I'm wicked, I can see the perfect sky is gone. I'm out of things. This is how I feel. Going on machines, I'm broken on the floor. You're late, I'm already told. Ils arrivent le vendredi de fuir les bateaux. Ils viennent du bout du monde en portant avec leurs idées vagabondes le frais de ciel bleu de mirage. C'est leur parcours parmi de pays inconnus, de dames et de l'on vit presque nus sur les plages. Moi qui n'ai connu toute la vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en vivant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les barres tombées du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses sous dans ma pensée. Mon lever me dépose à ma visiter sur la terre. Où je vois la montée de la qui va me fourre. Devant de moi, je me prends le coup de mon rêve. Quand les barres ferment, que les marins rejoignent leurs parents. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de ma vie. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coco prendre. Pour partir, je travaillerai dans la suite à charbon. Dans la route qui mène à mes rêves
crise de la vie, il est important que de vivre. Où les filles allant vivre, elles se le comptent sans m'attendre, ces colliers de fleurs qui enivrent. Je filerai sans l'amour passé, sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, serait moins pénible au soleil, serait moins pénible au soleil. Non,
moi, monsieur le directeur. Allez, au revoir, monsieur le directeur. C'était qui? Bon, Didier, je sais qu'on a beaucoup de boulot, mais là, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse tout à zéro. Bien. Oui. Allez. Street Fighter. Fighter. Et là, je prends. Thank you.
Bon, bonne séance, tout à papa. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Enfin, oui. Je voudrais remercier la comité de communes pour tout ce qui est solarisation et l'UDA, famille rurale, la municipalité pour la salle, pour nos répétitions, la gaillette de la jaudonnière pour la publicité dans le champ, les pépinières Ripo pour tout ce qui est plante, et l'entreprise Bati pour les palox, donc toute la sonorisation sous le nom des palox. Je voudrais surtout remercier ceux qui ont organisé les séances, c'est-à-dire Xavier Thomas, Cédric Guilloton et Alexandre Baudin. Bravo! Je vais commencer par remercier Alexandre Baudin et Cédric Guilloton. Merci! Au montage vidéo, on avait Clément Martial et Sophie Thomas. À la poursuite, avec Christophe Lotteau. Au lumière, Alexandre Baudouin. Au son, Michael Morin. Au rideau, Frédéric Paquet. Au décor, Romain Delago, Boris et Christopher, pardon. Le souffleur, Michael Batty. Merci aussi à Nadège Batio et à Laurence Boissineau pour les costumes, très aimable. Et merci à tous les acteurs. Et merci à notre président, Jean-Louis Paquet. On va récupérer jusqu'à 2h du matin et rentrer bien sûr. Bonne soirée.